Bonne arrivée, mon chéri. Comment ça va? Ça a été? Oui, maman. C'est quoi le... Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quelque temps, maman, je n'arrive plus à donner à manger à mes camarades de classe. Comment leur donner à manger? Quand je vais à l'école, maman, l'argent que tu me donnes, ne te fâche pas, s'il te plaît. L'argent que tu me donnes, quand j'achète à manger, j'appelle mes camarades qui n'ont pas d'argent et ils viennent manger avec moi. Non, mon chéri, comment veux-tu que je me fâche? C'est vraiment noble ce que tu fais. Je t'aime bien. C'est vraiment noble. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Mais maman, maintenant, ils veulent plus être mon ami parce que je n'ai plus beaucoup d'argent et je n'arrive plus à leur donner à manger comme je le faisais et tous les matins. Et ils ne veulent plus être mon ami. Viens, mon chéri. Allez, reviens. Allez, dans mes bras. Tu sais, personne, personne ne doit t'aimer pour ton argent. Tu en as, tu les aides, c'est très très bien. Tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux pas les aider. Le jour où tu en auras, tu les aideras encore. Mais eux, ils n'ont pas le droit de t'aimer pour ton argent, mon chéri. Moi, je t'aime fort. T'as compris? Tant pis, s'ils ne veulent pas être ton camarade, tant pis. Tant pis pour eux. C'est qu'ils ont perdu un grand ami. Un grand ami qu'ils n'auront plus jamais. Oui, maman, maman, merci, maman, merci, merci. Maman, ok, maintenant tu vas partir pour faire tes devoirs. Et non, maman, s'il te plaît, j'ai une question à te poser, tu veux bien? Mais bien sûr, mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Maman, et j'ai remarqué que depuis que tu t'es bagarrée avec les sœurs de mon papa, et papa ne veut plus te répondre au téléphone quand tu l'appelles, il ne répond pas. Ne me dis pas que c'est faux parce que même si je suis un enfant, je remarque tout. Et mon petit chéri, t'inquiète pas, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Tout ça va bien se passer, tout ça va finir bientôt. Ce qui compte, c'est que tu travailles bien à l'école et que tu réussisses bien tes études. Que tu deviennes une grande personnalité pour ta maman chérie. Oui, maman, je vais travailler à l'école. Je vais bien travailler à l'école. Et je vais gagner beaucoup d'argent pour toi, maman. C'est bien, mon chéri. Allez, fonce au travail. Et gros bisous, je t'aime.